Je suis là. Hey, salut. Allez, arrête tes conneries, meuf. On y va. Sinon, ta vaisselle, elle s'en fera pas toute seule. C'est parti, c'est parti, c'est parti. En avant. En avant, oui, oui. Ouh. Donc. Pim, pom, pam, pom, tchac. J'arrête de t'embêter, tu vas me défoncer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre, qui est correct. Ouh, ça tétanise, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon pied. Oui, je vais mûrir. Mmh. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ouh. Donc pas beaucoup de livres, essentiellement des achats Vinted, n'est-ce pas? Bah oui. Et un petit peu de... J'en ai oublié. Bidoun, tu vas chercher ceux qui sont à côté de mon bureau, s'il te plaît. Allez, fais quelque chose, Bidoun. T'auras des croquettes. Je vais aller t'acheter des croquettes. Pff, elle sert à rien, je vous jure. Assistante pourrie, mais alors pourrie, pourrie, pourrie. Ouais. J'ai mis du temps à les retrouver. Hein. C'est pas possible, je perds la boule. Enfin bon, bref. Donc, il y a de l'occasion. Et de l'occasion. J'ai pas acheté de livre neuf ce mois-ci. Ah si, il y en a un neuf. Un neuf. Un neuf et le reste c'est de l'occasion. Voilà, il y a du Emmaüs et du Vinted. Et le neuf, ça sera du France Loisirs. Donc on y va. On commence par Vinted où je me suis trouvé Autobiographie de Christina Loren aux éditions Hugo New Way. Et il est en super bon état. Et j'ai même eu un petit marque-page coco. Trop, trop cool. Voilà, c'est très rare que j'ai droit à un marque-page dans les commandes Vinted. Et enfin, moi, j'en mets. J'en mets toujours. Voilà. Minimum un. Voilà. Je mets toujours des petits marque-pages dedans. Enfin, je trouve que c'est. Enfin, je sais pas. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Il me faisait très envie celui-ci, donc je l'ai vu, je l'ai pris quoi. Je sais plus trop à combien je l'ai eu, je vous mettrai ça juste en bas si je le trouve encore sur mon Vinted, mais voilà, ça doit être un lot je pense. Donc de Gwen Delmas, Noël, toi et moi aux éditions LUV, donc chez Addictive. Il est un petit peu abîmé voilà, sur la tranche, mais sur le dos. Toujours dos tranche, il n'y a rien à faire, j'ai beau savoir et, voilà, deux jours après je me remêle le pinceau, donc mais voilà, donc une petite romance de Noël sur Vinted. Et je me suis aussi procuré sur Vinted de El Seveno un Hugo Poche, donc Restart with Song. Voilà, il est en très bon état, donc ravi, ravi, ravi. Et avec j'ai dû avoir un autre petit marque-page lors d'une commande Vinted. Il est très joli aussi celui-ci, je suis très contente. Voilà, avec du pinguino. Voilà, donc ravi. Voilà. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mon marque-page coco? Je l'ai mis dedans. Je vais le mettre dans mon petit pot. Mais je pense que je vais le dessiner celui-ci. Je pense que je vais le colorier. Je vais peut-être utiliser mes feutres à alcool ou. Je ne sais pas. Ensuite, celui-ci, je l'ai trouvé où? Je pense que c'est Emmaüs. Oui, donc j'ai trouvé de Kelly York et Rowan Altwood le dernier battement du cœur aux éditions PKJ. Voilà, il faisait envie celui-ci et je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Voilà, il est en bon état, il est un petit peu cassé là, un petit peu, c'est pas grand chose. Contente, on va continuer avec l'occasion. Hein. Je me suis trouvée à Emmaüs The Goal. Donc de la saga Off Campus de Elle Kennedy. Donc c'est la saison 4. Sauf que j'ai revendu mon premier tome en grand format. Je l'ai racheté en petit format. Voilà. Donc je l'ai fait en petit format et là je rachète un grand format. Enfin bon bref. Il manque le tome 2, le tome 3, je sais pas. Mais bon voilà. Je sais pas d'où ça vient ça. Des étiquettes comme ça. Enfin bon bref.
J'ai le tome 4 en grand format. Qui m'a pas coûté bien cher. Hein. Ensuite, sur Vinted. Ouais, c'est Vinted ça. Il me semble. Ah non. Emmaüs. Emmaüs. Sensual Player, donc de Alice Clayton, c'est la suite de Wallbanger. Donc je pense que j'ai la saga complète là. Il m'en manque peut-être un. Mais voilà. Si j'ai lu, j'aime bien. Les couves, on va. Donc voilà, je suis contente, il est en très bon état. Emmaüs, je me suis procuré de Sophie de Villenoisy, Joyeux Suicide et Bonne Année aux éditions de Noël. J'aime bien la couve. Voilà. Il y a un petit livre, voilà. C'est le jour où je suis allée à Emmaüs et que j'ai pas trouvé grand chose. C'est surtout que j'avais Belle Maman avec moi et Doudou, donc je pouvais pas chercher autant que... Hein, voilà. J'ai aussi trouvé de Sophie Kinsella, Audrey Retrouvée, aux éditions PKJ. Il est cassé, mais tant pis. Voilà. Toujours à Emmaüs, j'ai trouvé de Jodie Picou, Le Rideau Déchiré, chez Presse de la Cité. C'est une autrice qui m'intéresse, donc voilà. Je me suis dit, il est en bon état, je vais prendre. J'ai encore le super bandeau qui sert à rien. Voilà. Et voilà, il est en super état, donc j'ai pris. Donc voilà pour l'occasion. Et on va vite là, hein. on va vite. Hein. C'est le bouco le plus rapide de l'univers, hein. De ma chaîne. Donc après en neuf, je me suis pris à France Loisirs le tome 2 de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Et voilà, j'ai lu le premier tome que j'ai revendu. Voilà. Et j'achète le tome 2. Mais bon, c'est pas grave, je vais le lire et je revendrai celui-ci. Mais ouais. Faut que je le lisse dans pas trop longtemps parce que j'ai encore c'est encore assez frais dans ma tête. Oh, c'est écrit très gros dans cette version, je trouve. Je me souviens plus trop que c'était comme ça dans le tome précédent, les entêtes de chapitre. Donc oui, faut que je le lise assez rapidement celui-ci. Faut pas que je le laisse retraîner. Enfin, je dis ça, mais donc voilà pour ce book haul, ce petit book haul. Voilà, il va falloir que je les range maintenant que j'avais rangé mes bibliothèques. Il va falloir que ça rentre. Et après, bah, je vais me calmer de toute manière, je vais me calmer niveau livre. Il faut vraiment que je lise. Bah, c'est pas la première fois que je vous le dis de toute façon. Vous le savez. Donc voilà pour ce petit book haul pour une fois. Voilà, ça change. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me soutenir via Utip. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça dépendra du moment où vous regarderez cette vidéo. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao !